Je vais pas être long. On va être très rapide. Ok? La question qui m'avait été posée ce matin, raison pour laquelle on est en train de faire ce live, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles il ne faut jamais courir derrière N'Go? Mon petit, bonne arrivée. Il ne faut jamais courir derrière N'Go. Le grand-mère t'explique pourquoi, et pas mon cas personnel. Déjà, même pour commencer, courir derrière N'Go ne veut pas dire qu'il ne doit pas la draguer. C'est deux choses différentes. Draguer N'Go puis courir derrière N'Go, c'est deux choses différentes. Draguer N'Go, ça veut dire que quoi? La go même sait qu'elle défend elle. Toi, tu disais qu'elle défend la petite. Donc, quand tu dis bonjour, elle se dit bonjour. Elle donne envie, en fait, de continuer. Tu vois, tu la dragues un peu, elle fait un pas, tu fais un pas. L'amour, c'est un échange. Dès l'instant où tu cours derrière elle, ça veut dire qu'elle a décidé que tu vas lui montrer que tu l'aimes. Donc, toi, derrière. Pas de ça va? Tu cours derrière le oui. Ça dit que le oui, t'as dit que. Elle croit pas que t'as défendu. Donc toi, tu passes combien de temps à lui montrer que tu l'aimes? Donc il n'y a plus de change. C'est toi qui fais les pas. Tu fais les pas. Elle abuse de toi. Déjà, si tu cours derrière N'Go, le truc va à la. Ça dit que c'est déjà dédié à l'échec. Courir derrière N'Go, toi, si on t'a lui montrer que tu l'aimes, c'est déjà voué à l'échec. Mon petit, tu as dépensé. Tu as redépensé le point grand maître. Tu as dépensé. Tu as redépensé. Tu as couru, tu as appelé. Tu as imaginé. Il y a un de mes gars à Paris. Fond d'une petite, il est mal prendre la go. Entre la go, il y a une semaine de cela, avant le scandale. La go est fondée, il y a Lévis, le chanteur. Depuis qu'il était avant moi, elle est fondée, il y a Lévis. Et puis le petit. Elle lui a dit que non, elle n'est pas sûre qu'il l'aime tout. Tu sais qu'il a fait? Le petit bâtard, il s'est levé, il a lui payé une carte de spa. Tu comprends, non? 3 jours gratuits au spa et piscine. Il lui a offert ça. Avec bouquet de fleurs. Quel connard. Le gouvernement te dit que c'est bien. Mais le spa, ce genre de choses, ce n'est pas des trucs que tu offres à go parce qu'elle m'a pris nos garçons pour partir. Petit bête. On fait pas ça. Tu comprends? Et une semaine plus tard, c'est l'anniversaire de N'Go. Elle a même pas invité. Tu comprends? Lui, il court derrière N'Go. Non pas la draguer, il court derrière elle. Parce que tu offres pas pour une semaine, son anniversaire, tu as donné quoi? Tu as donné derrière un bouquet de fleurs à spa. Anniversaire, tu as donné quoi? iPhone, tu gagnes rien. Tu ne fais que perdre depuis. Courir derrière N'Go, c'est voué à l'échec. Draguer une fille, c'est autre chose. Tu comprends, non? Courir derrière N'Go, voué à l'échec. Premier cas. Première raison. Deuxième raison, c'est quoi? Très souvent, la go peut-être sort d'une mauvaise relation. Elle veut se refaire, elle veut se revoir, elle court en rien, elle a mal blagué. Mais gars, abusé d'elle, mal. Donc là, tu viens, tu la remets en confiance. Ce n'est pas bon de courir derrière N'Go. Pourquoi? Parce que t'entends remettre la confiance de la go là. C'est-à-dire qu'elle peut commencer à aller à toi, qu'elle peut commencer à partir jusqu'à un moment. Bah, si tu fais une erreur, tu dois tout recommencer. Parce que la go là, émotionnellement, elle n'a pas encore fait son deuil. Rien n'a été refait. Donc, numéro 2, il faut gérer courir derrière N'Go à cause de ça. Numéro 3, courir derrière N'Go. Les gens qui ont dit que non, les gars qui ont dragué le go pendant 2 ans. Et puis, un jour, ça marche, ils sont mariés. Mon petit. Je t'écoute. Vois l'échec, pourquoi? Parce que ils te racontent pas la vie. Ça marche pas. Le gars couderait la gauche jusqu'à elle n'a rien foutu. Il n'y a pas eu d'échange. Tu donnes, je te donne. C'est parce que la gauche achète des choses, elle a goût d'aujourd'hui, elle n'aime rien acheter. Mais tu peux lui envoyer au cinéma. Elle accepte, je vais au cinéma et toi. Elle a donné un peu. Tu fais un petit bisou à la deuxième fois. Le bisou passe. Ça va, elle avance un peu. Vers la fête, t'attends ta main, la fête, t'attends ta main, ça va un peu. Petite caresse, la prend tes bras, mais elle te prend par l'arrière, attrape un peu ton corps, oh chérie, j'ai froid, tu ouvres ton menton, mais ça va un peu, ça avance. Mais ça n'avance pas, mon frère, tu fais 3 jours pour attraper sa main. Non, pendant 3 mois. Et là, tous les histoires, dormir debout, ah, je pense que toi et moi, ça marche pas, en fait, je sais pas. Et puis, t'es en train de prouver. Non. Alors, troisième raison.
Les gars peuvent sortir ensemble, qu'à se marier. Mais tu sais, quand tu as donné, privé. Le jour où la gloire accepte et puis elle donne. D'un mouvement, si elle a c'est un mouvement bizarre. Ce jour-là, elle s'est donnée à lui. Tu as eu l'oc. Satan a été gentil avec toi, il t'a offert la go. Ça, c'est pas Dieu. Satan qui t'a offert la go. Ce jour-là, elle était saoulée. En tout cas, tu as eu ta chance. Et puis, tu as mis boulet. Bouya. Mais la go est collée parce qu'elle sait que bon, maintenant, tu l'agrées. Pas parce qu'elle voulait. Parce que si une go, c'est ce qui te court, ne t'aime pas. La vérité, la go que tu cours derrière elle, elle t'aime pas. Elle n'est pas fan de toi. Tu veux créer le fan. Mais elle n'est pas fan de toi. Tu n'as pas le. Moi, j'étais break un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Et puis ça passe pas. En deuxième semaine, tu as commencé à me voir me détacher. Puis, ma petite, t'es pas la seule go. Tu dépends de moi là. Quand il fait un pas, tu fais un pas. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, si je suis pas là pendant deux, trois jours, tu m'as fait chier, ça quoi? Pourquoi tu as damé? C'est comment? Tu n'as pas vu? Tu me manques. Mais dès que je ne te manque pas, tu n'es pas fan de moi. Parce que nous, toi, tu joues, nous, on joue, on entend les jouer même. Voilà. Donc, la cour de qui tu. Quand tu l'as mangé une fois, puis maintenant, après, le sang est dedans. Là. Tu vois que toi-même, les efforts que tu faisais là, tu vas vouloir prendre un petit repos. Parce que là, tu fais des efforts. Parce que tu fais d'habitude. Eh, ma pinta, bref. Ça, c'est page publicité. Donc. Tu vois, non? Tu vas vouloir prendre un petit repos. Entends, la cour n'est pas habituée à ça. N'est pas habituée à ce que tu dames. L'habitude que tu montes le niveau, tu lui prouves. Que tu lui entends, tu lui prouves que tu l'aimes. Elle n'est pas, elle ne te prouve pas. Donc, quand tu vas vouloir demander un peu, est-ce qu'elle te prouve qu'elle t'aime? Ça ne passe pas. Donc, moi, ça dit non, il n'est plus comme avant. Le truc qu'il faisait avant, il ne fait plus. Il n'est même plus. C'est pour ça que ça ne marche pas. Trois bonnes raisons pour ne pas courir derrière Go, mon frère. Trois bonnes raisons. On ne court jamais derrière Go. Go, c'est derrière qui te court. On dit, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. L'enfant. T'as vu le problème? L'enfant. Bref. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ne jamais courir derrière Ngo. La go n'est pas fan de toi. Point. Laisse-la. Elle va courir derrière toi après. On connaît l'affaire. Tu ne fais pas. Ok? Faut la laisser. On coupe. Tu peux la draguer. Parce que tu es fan. Mais si elle fait malin, laisse-la. Il y a trop de goût dans ce monde. Ça ne t'arrange pas. C'est pareil pour une autre dragon, gars. Vous à l'échec. Parce qu'en fait, elle s'en se donner cadeau. Game reconnaît Game. Garçon fait qu'il te fend de lui. Donc il va allumer boulet. Bouya. Toutes les boucles draguées. Écoutez bien. Regardez bien cette vidéo. Toutes les boucles qui est draguées. Qu'elle en fait malin. Un peu, j'ai pas. Voilà. Elle va te dire non. C'est pas si t'es pas fan de moi, c'est pas si tu n'as pas insisté. Pourtant, ben, on est là pour insister. D'accord. Même quand le téléphone sonne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand il répond pas à la tombe, s'il répondait pas, on raccroche. N'y en a pas à rappeler. Oh, les pieds sont drôles. Ma petite, c'est pas moi qui viens réveiller à toi, en toi, les fans de moi. Si toi, tu n'arrives pas à voir, pourquoi toi, tu dois être fan de moi, c'est vraiment que tu dois réveiller ça. Tu es jolie, je te drague, ma chérie, tu es belle, franchement, je trouve que tu es belle. Si tu décides de m'écouter parce que tu donnes la chance aux autres, mon frère, l'ego n'a été fan de toi. Tu as déjà été fan d'ego. Donc tu sais que moi, ça c'est pas quand le fan est là. Quand c'est fan, t'as dialogue, tu sais. Mais quand c'est pas fan, t'as dialogue, c'est Maïmouna Touré. Il faut laisser. Ça va pas être toi. L'ego n'est pas fan de toi. Ne cours jamais derrière l'ego. Elle va faire mal, elle va abuser de toi. Elle va, femme, quand tu prends des petits coups de gueule, elle d'amener, elle gâte ton nom. Ça, c'est la quatrième raison. Tu coups de gueule, elle gâte ton nom. Elle pas mal de toi. Il est fan de moi. Elle te prend pas au sérieux. Tu t'en la voir, tous ses camarades sont là. Elle s'occupe même pas de toi. Hein. Ah, ça va, tu vas bien. Assieds-toi, chérie. Puis parle à Zigo comme si tu n'étais pas là. Voilà, tu traînes jusqu'à vers la fin. Écoute, désolé, je dois partir au monde. Faut m'excuser, j'ai pas de pièces, on va. Mais ce qui est normal pour toi, mais ma petite, tu viens m'appeler, papa, appeler. Elle se fâche, et puis après, c'est pour ça que tu te fâches. Elle se fâche, et pour elle, elle a raison. Quand tu cours derrière go, il faut t'attendre à ça. On ne court pas derrière femme. C'est comme femme, on ne drague pas garçon. Sinon, tu vas te faire beaucoup pour laisser. Mais quoi, mec, tu as des questions, tu poses. Je vais même à l'Aloco Pintade. Je ne veux. Zamora. Le Zamora.
C'est le truc là, qu'on appelle ça coming to America. Zamora, si vous avez des questions à poser, allez sur mon Face, le grand maître, un inbox Instagram, posez des questions, il y a répondre. Voilà, c'est $50 si tu veux parler en privé. Non, tu as un problème d'amour, écrit. Je vais te donner les réponses. Moi, je suis le gars qui n'a pas te menti. Quand tu veux te mentir, va chez Oprah. Moi, je n'ai pas te menti. Si le gars là, le gars n'est pas fan de toi, en train de te braquer pour te mourir, pour te laisser, il te dit rien. Madame, une boîte m'a payé $400. Tu sais pourquoi? Le vin est mal doux. C'est quoi ça là? Le vin est mal doux même. Je n'ai jamais pas pensé à ça. Le vin est mal doux. Je dis, je m'attendais à y aller avec mon visage. Je me suis un peu noir comme ça. Mais est doux, hein? Le Zamora est bien doux. Le Zamora. Le Zamora. Les enfants là. Hey. Oh, le plus grand, pour le patron, le deuxième, pour le cacato. Ça vient. Ils vont dormir. Bien. Bref, il y a une goutte qui m'a payé 400 d'eau. C'est pourquoi elle m'a payé 400 d'eau. 400 d'eau m'a payé là. Elle dit, le mogol là, elle est fan d'un mogol. Donc lui a montré qu'elle est fan de lui. Donc le gars fait comme s'il la drague. Elle ne sait pas maintenant si c'est vraiment l'amour qu'elle a suscité en lui parce qu'elle avait vu. Puis elle a aimé automatiquement. Elle n'a pas voulu parler, mais elle a dû susciter le reste. Ou bien, comme elle a donné l'occasion, il veut l'amour pour laisser. Elle ne sait pas. Par rapport à ça, elle m'a payé $400. Donc quand le gars écrit comme ça, elle m'a dit bonjour chérie. Elle m'envoie les messages. Moi, il répond. Et puis elle envoie au mogo. Donc quand le gars même l'envoie les techniques de calage, de drague, de. Moi, il répond, lui, c'est pas du tout. Ah, c'est bizarre, moi, je suis garçon. Moi, je reconnais le game qu'il est en train de faire. Elle est femme. Donc, elle veut douter même de ma réponse, ma petite. Envoie lui la réponse. Tu ne fais pas du social pour les consultations. Nous, on n'a pas l'argent. Là, on fait comme. Mon frère, désolé, mais l'internet, tu dois payer. Tu dois payer internet. Le petit voyage, j'ai fait là, j'ai financé de fonds propres. Hein? Ah non, je n'ai encore pas mon manager. Donc, actuellement, ça ne va pas. Voilà. Donc, pour consultation privée, écrivez-moi inbox. Je t'attrape et puis on se parle. $50, 50 euros. En tout cas, dans le Pérou, tu es là, c'est 50 ça. Voilà. Prenez le nom. Zmoa. Voilà ça qui est là. Le venin mal doux. Bon, j'ai fini mon avocat pentade. Chose première, chose due. Je vous donner les raisons pour lesquelles il ne faut jamais draguer. Une petite. Enfin, il fallait courir derrière Ngo. Tu peux la draguer. Mais jamais courir derrière Ngo. Moi, le grand, il ne court pas derrière Ngo. Voilà, il part dans ta vie. Ça va, tu vas bien, je suis là. Viens, on va manger un peu. Tu fais malin. Prends. Prends. Voilà. Et puis après, tu vas voir le gros, il te raconter. Ah, mais je t'ai avec le gars, ça n'a pas marché. Dis, c'est bien. Et pas lui, tu as voulu prendre. Il faut rester à lui. Moi, on était un peu fan. Tu ne vas pas donner de chance. Le Ngo donne toujours la chance au gars. De qui est son fan. Si tu n'as pas la chance, c'est qu'elle n'est pas fan de toi. Et je vais te dire un truc, les gars qui ne sont pas fan de toi abusent toujours de toi. Il te dit, tu vois cette chaîne-là, il y a au moins 5 gars qui ont essayé d'arracher ça de mon cou. Toujours, c'était les gars qui n'étaient pas fan de moi qui l'ont acheté cette chaîne de mon cou. À chaque fois, il y a une gars qui m'a dit, attends, je vois ta chaîne, je vais dans la chaîne, tiens, pour voir la vie, non. Ce qu'elle a fait, elle a retiré le médaillon. Elle m'a donné juste la chaîne. Puis elle m'a mis dans son sein. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Non, tu ne donnes pas la chaîne, donne-moi. Comment donner comme ça? Il dit, les gars, ils vont prendre de toi là. Hein? Elles n'ont aucun respect pour toi. Tout ce qui est sur toi là, elle peut le prendre si elle veut parce que quoi, tu es fan d'elle, tu dois lui donner. Les gars qui sont pas fan de toi vont abuser de toi, de ta gentillesse, de ton amitié, de l'amour que tu donnes, de l'argent que tu dois dépenser, de tout ce que tu dois prendre pour faire quoi. Tout ça, elle pense que ça fait partie du fait que tu es fan d'elle, tu dois la draguer. Tu ne dois pas courir derrière femme parce que tu perds. Ne coupe pas, mon petit, c'est le vieux père qui te parle. Hein? On a fait des trucs, on a fait de ces choses. Ne coupe pas derrière elle. Tu peux la draguer, papa, courir derrière elle. Quoi? On me dit, tu as une seule vie. Il y a au moins combien de milliards de go? Garçon d'un million, il y a un milliard de go. Tu as une seule pine. Il y a beaucoup de partout. Marc, prêche, merci. Dès qu'une goutte te demande qu'est-ce qui est sur toi, dis ça, c'est ma maman qui m'a donné. Hé, donne-le-moi. Ça dit que sans même penser que c'est un truc précieux, dès qu'une goutte fait ça, là, la goutte va faire de toi. Elle va abuser de toi. Okay. Une goutte matérialiste maudite.
Dieu va la punir, elle va aller en enfer. Paye le gars qui est des fonds. Elle achète ta leçon pour lui, chaussettes, tout. Elle paye pour donner. Toi, elle va prendre ta chaîne. Elle va prendre de toi. Ne coupe pas derrière une go. Une go que tu, sur qui tu cours. Une go que tu cours derrière elle, elle ne te mérite pas. Et en tout des plans. Mais viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Vraiment l'argent. Tout ce que tu veux faire pour elle, le bien, elle ne reconnaît pas. Voilà. Tu dois tout lui prouver. Perte de temps. Allez, je vous laisse. Attendez, manger. Première chose, j'ai fait ma vidéo. Je passe après sur YouTube. Consultation privée. Inbox 50, c'est que la monnaie de où tu habites. Voilà, si tu es en France, c'est 50 euros. Tu es en France, c'est 50 dollars. Pour une heure, le grand-mère va te parler en privé. Allez. Et d'abord, ça, bois un peu. Fais deux heures de route pour arriver à Boston, Massachusetts. Allez. Peace out. One.